Sommes-nous libres de nos pensées ou bien au contraire le jouet de mécanismes inconscients? Selon Freud, tous nos désirs inconscients sont rejetés dans le ça et se réalisent indirectement à travers des rêves, des maladresses, des oublis, des lapsus. C'est le mécanisme du refoulement, imposé par le surmoi, qui est la conscience morale acquise par l'éducation. Nos pensées sont donc le fruit de la tension du surmoi et du ça. Cependant, selon Sartre, l'inconscient serait une mauvaise foi. Pour lui, nous sommes toujours libres face à nos pensées.